Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Joxbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warzone. Je vais vous présenter les 5 meilleures classes après la mise à jour 1.34. Donc n'hésitez pas à tester et vous me mettrez en commentaire laquelle vous avez préférée. Sachez qu'hier j'ai fait un live avec ces classes et la plupart du temps j'ai dépassé les 10 kills. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que je suis pas l'un des meilleurs joueurs, mais je suis pas l'un des plus nuls. Donc n'hésitez pas à tester. Parce que franchement, ça vaut le coup. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Me voilà dans le jeu. Donc voilà le classement des 5 meilleures classes. Après, vous ferez votre avis. Testez. Moi, je vous conseille de les tester une par une et de voir laquelle vous préférez. Sachez que j'ai fait hier un top 1 avec cette classe-là. Et après j'ai fait plus de 10 kills. Franchement, c'était pas mal. Il y avait des classes qui étaient vraiment pas mal. Donc sachez que dans chaque classe, j'ai mis comme atout pas de course, surarmement et survolté. Après, j'ai toujours une classe fantôme pour le deuxième largage. Et je mets thermite, capteur cardiaque. Je sais qu'il y en a d'autres qui mettront des paras ou des flashs. Mais moi, j'ai du mal à jouer avec. Donc on va passer CR Mac. Donc commençons par la CR. La CR, donc bouche silencieux monolithique, canon XRK Zodiac S440, lunettes VLK x3, accessoires canon poignée à vente de commando et munitions chargeur de 45 cartouches. Vous allez gagner en précision, en portée. Par contre, vous allez perdre en mobilité. Sachez que quand même, c'est une arme de distance, comme elle est faite comme ça, mais elle bouge quand même pas mal. Ensuite, au niveau de la MAC, vous allez mettre silencieux agency. Corps expéditionnaire 5.9 au niveau du canon, accessoires canon poignée agent de terrain, munitions chargeur à tambour de Stagnac de 53 cartouches et la Cross Rider. Vous allez gagner en dégâts portés et un peu de mobilité, par contre vous allez perdre légèrement du contrôle et de la précision. Nous passons à la quatrième classe, donc la Hog et la Mac. Donc au niveau de la Hog, vous allez mettre silencieux agency, équipe d'assaut 18.2, lunettes axial arme x3, accessoire canon poignée avant agent de terrain, munitions chargeur presse de 45 cartouches. Vous allez gagner en précision, portée et cadence. Par contre, vous allez perdre légèrement de dégâts, de mobilité et de contrôle. N'hésitez pas à me dire un commentaire ce que vous pensez de ces classes, laquelle vous avez trouvé la meilleure. Est-ce que vous allez garder cette configuration? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Au niveau de la Mac, on retrouve pareil, donc silencieux agency, corps expéditionnaire 5.9, cross rider, poignée agent de terrain et chargeur à tambour Stagnac de 53 cartouches. Nous passons à la troisième meilleure classe, la FFAR Car. Sachez que ce n'est pas mon car parce que moi je joue pas en lunettes de tireur d'élite. Mais voilà, elle était très bien, j'ai testé hier, c'était plutôt pas mal. Mais après moi j'ai un peu du mal avec les viseurs longue distance. Donc voilà, donc là on met pour la FFR, silencieux agency, canon blindé renforcé 19.5, cross rider, accessoire canon poignée agent de terrain, munitions Stagnac, donc chargeur Stagnac de 50 cartouches. Vous allez gagner en précision, en dégâts en portée, par contre vous allez perdre légèrement de mobilité et de contrôle, mais voilà, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Nous passons au car. Donc le car tout va se passer en haut, donc silencieux monolithique, il ressemble à peu près au mien, mais il y a deux petites différences. Donc canon Singer personnalisé 27.6, le laser tactique, lunettes de tireur d'élite, n'oubliez pas de changer le réticule si vous n'aimez pas trop le réticule de base, et la crosse busque sportif FTAC, FTAC. Vous allez gagner en précision, en portée, par contre vous allez perdre légèrement de mobilité de contrôle, mais bon, ça ne jouera pas trop sur vos affrontements. Nous passons à la classe classée numéro 2, la M16 FFAR. Donc, au niveau de la M16, vous allez mettre silencieux agency, canon équipe d'assaut 15.9, lunettes axiales arme x3. N'oubliez pas de modifier le réticule s'il vous plaît pas celui-là de base. Mais celui-là de base, il est quand même plutôt pas mal. Ensuite, vous allez mettre accessoire canon poignée avant, agent de terrain, munitions chargeur de 45 cartouches. Vous allez augmenter la précision, la portée et la cadence. Par contre, vous allez perdre légèrement de dégâts et de contrôle. J'ai testé, elle était plutôt pas mal. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure couleur à mettre sur cette arme. Mais franchement, c'était bien. Et ensuite, on va retrouver la FFAR. Donc, silencieux agency, canon blindé renforcé 19.5, cross rider, munitions chargeur Stagnac de 50 cartouches et poignée arrière revêtement de serpent.
Donc vous allez gagner en dégâts, portée, mobilité et contrôle. Vous allez perdre légèrement de précision. Et généralement, vous êtes plutôt prêt puisque vous avez une autre arme de longue distance qui accompagne. Nous passons à la classe classée top 1, donc la Hog FFAR. Toujours la méta du moment, on va dire. Donc au niveau de la FFAR, donc c'est la même chose. Vous allez mettre silencieux agenti, canon blindé renforcé 19.5, cross rider, munitions chargeur stagnant de 50 cartouches, poignée arrière, revêtement de serpent. J'ai testé hier, franchement c'était plutôt pas mal. C'est pas celle que, avec qui j'ai fait top 1, mais j'ai fait beaucoup de plus de 10 kills avec, avec cette arme là et la Hog. Donc concernant la Hog, silencieux agenti, canon équipe d'assaut 18.2, lunettes axiales arme x3, accessoire canon, poignée agent de terrain et munitions chargeur de 45 cartouches. Donc voilà, elle est franchement elle est top, elle est plutôt stable. J'avais l'habitude d'avoir des Hog qui n'étaient pas très stables. Celle-là, franchement, elle était stable. Donc voilà, je suis assez content. Je vais continuer à l'utiliser. Alors voilà, moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant laquelle arme vous avez préférée. Et surtout, si vous allez garder certains configs, peut-être vous allez prendre peut-être une arme d'une classe, une arme d'une autre classe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification. Et on se retrouve bientôt sur le jeu. We'll be right back.